Bonjour mes frères et sœurs en Christ Jésus. Pour notre série de quelques attitudes d'un bon guerrier, nous parlons d'un adorateur. Généralement, un adorateur est une personne qui rend un culte à une divinité. Mais nous nous accentuons sur le Créateur des cieux et la terre, Elohim. En lisant le livre de Juges au chapitre 7, le verset 15, la Bible dit: Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains Madian. Bien-aimé, se prosterner devant quelqu'un, c'est faire preuve de servilité envers lui. C'est aussi perdre son autorité. Se prosterner devant le Seigneur vient quand l'homme qui se croit autoritaire reconnaît qu'il y a une autorité suprême et s'efface devant elle. Jésus-Christ est au-dessus de ta position et situation. En se prosternant, Gédéon dédia son armée à l'autorité suprême, le Dieu créateur. Il fit preuve d'une grande humilité devant Dieu en le glorifiant avant la guerre et la victoire. Sache que ta victoire est d'abord spirituelle avant d'être physique, visuelle et palpable. Une victoire qui s'exprime dans notre être devient une expression d'adoration. Gédéon se prosterna lorsqu'il a entendu et non lorsqu'il voya. Combien de fois tu veux seulement voir avant d'adorer? L'adoration n'est pas seulement le résultat de la reconnaissance, mais elle est plus celui de la connaissance. Un adorateur est un vainqueur guerrier qui élève l'Éternel vainqueur avant, pendant et après la guerre. Comme Paul et Silas pouvaient chanter ou encore adorer Dieu malgré la souffrance. Bien-aimé, qu'aucune douleur ne t'empêche d'adorer Dieu, l'Éternel vainqueur de tes combats. L'adoration est une arme de guerre efficace qui change l'atmosphère de nos situations. Elle pousse Dieu à intervenir dans nos combats pour prendre le dessus de tout dans nos vies. Un vrai adorateur en esprit et en vérité est dirigé par le Saint-Esprit, au point où même ses gestes deviennent symboliques et prophétiques. Comme Gédéon, après ce geste de se prosterner, il divisa les 300 hommes en trois troupes, mais aussi il remetta à chacun des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dedans. Comment combattre et vaincre ceux qui sont armés jusqu'aux dents, rien qu'avec des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dedans? Bien-aimé, celui qui adore continuellement pose des actes inspirés. Je parle à un adorateur, à un vrai, en lui disant: Ton combat est en différé. Tu es un adorateur pour entendre les paroles de victoire, voir ta victoire et enfin la vivre. Une victoire que tu ne vois pas dans ton esprit, tu ne peux aussi la vivre. Sois un bon adorateur de Jésus-Christ pour bien voir la rediffusion de ton combat, dont la victoire t'a été donnée quand le Seigneur proclama sur la croix en disant: Tout est accompli. Sois vraiment conscient que tu es un adorateur de Jésus-Christ. God bless you.